Les deux autres frères savent pas où ils se trouvent. Je m'en suis assurée. Ça vaut mieux pour toi. Je peux pas prendre le risque d'exposer mes vampires. Mes frères vont vous retrouver puis vous tuer. Vous puis vos vampires. Tu crois ça? Après tout le mal qu'on s'est donné pour t'attraper, ce serait bête de te laisser partir comme ça. Oh, je te fais peur. Vois-tu, t'es pas le premier chasseur éternel que je rencontre. Un étien m'a fait ça il y a longtemps, et ça veut pas guérir depuis. Ça m'appelle chaque jour à quel point je vouais! Vous partez quand? Demain, pourquoi? Je viens avec vous. Je vois pas pourquoi vous seriez les seuls à tuer les vampires. Si tu le fais juste pour te venger, autant crisser ton camp d'ici de suite. On peut pas s'encombrer de débutants. Ah ouais? Ben est-ce que je cherche pas tout seul qu'il y a des comptes à régler avec eux? Yannick, c'est de ta faute si Gab s'est fait enlever, ok? Fait qu'autant prendre toute l'aide qu'on peut avoir. C'est notre plan de l'aider puis de tuer Darcy-là. Oui, ça c'était le plan, avant qu'ils mettent la main sur Gab. Ben je vous laisse pas le choix. C'est ça ou ben vous vous passez de moi? Ben, tant mieux. Yannick, come on! De toute façon, je doute que tu vas coopérer avec lui. Avec qui? Avec moi. Ben, je range mon cul. Prépare tes bagages, on part pour Montréal. Qu'est-ce qui se passe? On a une audience avec mon maître. Ton maître? De qui tu parles? Le seul qui avait le pouvoir de te ramener ici. Azarès. Azarès. Azarès est ici. Mm-hmm. Comment ça se peut? Azarès a réussi à posséder le corps d'une personne ayant une fonction très importante chez les renégats. Les renégats? Et c'est ça encore, cette nouvelle niaiserie-là? Des chasseurs éternels déchus. Azarès se sert d'eux pour occuper tout le monde. Pendant que toi puis moi, on agit discrètement. Mais ça, c'est sur papier. Parce qu'avec toi, bonjour la discrétion, oui. Pourquoi est-ce qu'un autre démon vient pas nous aider d'abord? Azarès a d'autres chats fouettés. Mais c'est grâce à lui qu'on a une longueur d'avance sur les mortels. J'ai vraiment de la misère à tuer des fois, Félanie. Fais-moi confiance. Azarès est totalement dévoué à notre cause. Pourquoi tu portes l'anneau à ton doigt, Félanie? Il sera bien plus en sécurité comme ça. J'ai encore mes pouvoirs, moi. Tu peux bien protéger mon cul. William est de notre bord, ok? Il veut juste nous aider à libérer Gab. Pour mieux vous poignarder dans le dos ensuite? William est notre dernier espoir pour retrouver Gabriel. Ah, ben vous êtes tombé bien bas, hein? Puis William, toi, qu'est-ce que t'as fait depuis ce temps-là? Je me suis infiltré dans le nid. J'ai fait le tour de la plupart des pièces, sans faire de bruit, en espérant savoir où détenait Gabriel. Je suis finalement tombé dessus en passant devant l'endroit où il stocke généralement les cadavres. Je vais dire la nourriture. Puis il va bien au moins? Il tient bon. Il est gardé par un vampire très puissant que Darcy a placé là.
Puis Iris fait souvent sa ronde. Ça va être difficile de s'en approcher. Toujours pas de traces des frères de Gabriel? Non. Parfait. Tu peux continuer ta ronde. J'ai même failli me faire détecter. William! Qu'est-ce que tu fais ici? La reine t'aurait pas... Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Gabriel au juste? De ce que j'ai entendu dire, ils veulent l'offrir à l'ancien. Un des plus vieux vampires que le monde ait connu. Faut traiter le chasseur éternel aux petits oignons. Il doit être en bon état lorsque l'ancien viendra le chercher. Pour moi, avec ces informations-là, on va pouvoir se préparer un petit peu. Merci, William. Bon, il commence à être tard. On va aller dormir, puis demain on s'entraînera si le sortilège vous sert. Que tu restes? Ouais. C'est pas parce que les frères te font confiance que c'est le cas pour moi. Je sais qu'est-ce que t'as fait. Je sais qui t'es. Comment je peux me racheter? Tu peux toujours essayer de ramener ma sœur en vie. Salut, William. Ça a l'air que j'ai pas été assez claire la dernière fois. Aujourd'hui, le sortilège que je vais te montrer, Nicolas, est le plus difficile que j'ai eu à performer dans ma vie. C'est maman et Orphalion qui l'ont créé. Pis ça va nous servir à quoi contre les vampires? Avec le sortilège du soleil, on va être capable de recréer magiquement la lumière qui brûle les vampires. Yannick, es-tu correct? Oui, désolé. C'est pas facile à faire, faut que je m'assoie. Maintenant, c'est à toi. Place tes mains comme je les ai placées. Si tu réussis ça, tu seras capable instantanément de détruire un vampire. Tu peux y arriver, Nicolas. Ce que tu dois faire, c'est capter toute la lumière qui t'entoure. Même s'il fait noir, il y a toujours une source de lumière en nous. Pense à quelque chose qui te fait sentir vivant et lumineux. Pourquoi tu me déranges, Rhys? J'ai besoin d'être seule. En fait, je pensais qu'un petit cadeau vous ferait plaisir. C'est le traître qu'on cherchait. Je l'ai trouvé en train de fourrer son sale petit nez dans les affaires des grandes personnes. Voyons donc, c'est pas gentil de faire ça. Sais-tu ce que ça coûte de mettre en danger le nid au complet? En plus, j'imagine que tu t'es allié au chasseur éternel. Vous pensez qu'il est allé voir les frères? Mais ça me paraît un peu tordu comme théorie. J'espère que vous venez vous battre le cul. Oh! Tu vois, je suis pas encore complètement gâteuse.
Ça me ferait plaisir de mettre tout le monde sur le qui-vive, qui s'attend à l'avenue des frères Laurando. Qu'est-ce que je fais de William? Je te laisse le loisir de t'en occuper jusqu'à temps que je trouve une idée originale pour l'éliminer. Qu'il en soit ainsi.